Bien, salut tout le monde, donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto épisode 3. Donc je vais le refaire parce que elle était un peu bizarre la vidéo d'avant. Donc je vais le refaire. Alors c'est comment avoir un clavier personnalisé. Donc c'est très simple. Vous devez installer Kika Keyboard. Donc vous allez dans le Play Store ou l'App Store. Comme ça. Hey. Bon, alors après vous marquez Kika comme ça, et après ça va vous mettre. Après vous l'installez, donc vous l'ouvrez, et après vous avez ça. Donc vous installez celui qui vous plaît le plus, donc moi c'est celui-là. Donc là vous pouvez pas le tester par contre. Alors parce que j'ai pas l'installer parce que ça a pas marché, parce que si vous en installez plein, après je crois que ça a pu marcher. C'est ce qui voilà. Donc, bon, après que vous avez installé, ça va vous le mettre juste vers ici ou dans votre téléphone et tout comme d'habitude, et puis après bah vous pouvez l'essayer. Donc vous allez dans le jeu ou quelque part d'autre. Alors autrement vous pouviez vous pouvez l'essayer dans vous pouvez l'essayer, enfin vous pouvez le personnaliser autrement. Donc le petit coffret pic qui va bien. Alors après, vous l'essayez. Donc moi, c'est toujours le même, mon clavier. Alors, après, vous pouvez le personnaliser en cliquant sur le petit trèfle à quatre feuilles. En fait, il y a un t-shirt en haut à gauche. Après, il y a un petit trèfle à quatre feuilles à côté. Après, vous allez sur la palette de peinture, le custom. Et après, vous pouvez le custom. Donc, par exemple, vous pouvez prendre une photo. Ou... ça. Alors par exemple je vais prendre ça. Ah mais mets-le bien. On va laisser comme ça. Pour accepter, vous appuyez sur appli. Donc pour l'instant ça donne ça. Après vous avez les effets. Donc ça c'est la luminosité. Hop. Moi perso je mets comme ça. Après là c'est pour flouter. Moi je mets pas. Après le bouton, ça c'est pour. Moi je mets comme ça. Je trouve que c'est mieux. Pour écrire. Après ça c'est pour mettre noir ou pas. Moi je mets un tout petit peu. Comme ça. Vous avez la police. Donc c'est pour l'écriture des lettres. Ça. 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 Ou normal. Non, je trouve que cette écriture, elle est pas mal. Je préfère un peu celle-là. Ouais, bon, après, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, après, vous avez la couleur de vos lettres. Donc, c'est très simple. Le petit A ici, là, tout en haut à gauche, ça vous sert pour la couleur des lettres. Donc, moi, je vais mettre la couleur des lettres en... en rouge. Après vous avez la couleur quand vous restez appuyé pour mettre un accent. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre pareil. Je vais mettre vert. Tac. Là c'est le truc pour écrire plus vite. Donc moi je le mets pareil que ça. Et après vous avez le truc. Ah!
Oh, c'est stylé, j'avais pas vu ça avant. C'est pour regarder bien les lettres. Hop, là, par exemple, j'ai passé en rouge. C'est pour le petit carré qui l'entoure. Bon, moi perso, je vais mettre un peu vert comme ça. Après, vous appuyez sur la petite coche en haut, tout en haut à droite. Vous appuyez. Après, ça va sauvegarder. Vous appuyez sur OK, en bas à droite. Et là, ça va vous le faire essayer. Donc, je trouve que c'est assez facile hein, quand même. Quand vous restez appuyé, ça va faire ça. 3. Par exemple, j'essaie d'écrire très vite quoi. Voilà. En fait, c'est très facile. Ou Ludo, par exemple. Regardez. Réglez où? Voilà. Et après, je vais écrire 54. Bon, bref. Comme ça, j'écris. Ouais, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao.